Kevin, t'es à la villa? Oui? Kevin, t'es à la Kevin, t'es à villa? la villa? Ouais. Oui? Oui? Kevin, t'es à la villa? Oui? Ouais. What the fuck? Oui? Oui? T'es à la villa? Oui? What the fuck? This is what? 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 Allô? Allô? J'ai un retour que je vois pas. 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 Allô? Allô, allô, allô. Ça a l'air bon. Eh, bonsoir. Salut. Et salut. Tu t'es perdu? Je cherche où est le vestiaire. Ah, mais c'est dans la cuisine. Bon. Oui. C'est logique. Non. La dame du magasin, elle refait les petits sacs. Ah, bonne nouvelle, ça. Ouais, du coup, j'ai fait ma petite tenue de sergent. Stylé, je vais avoir la même. T'es pas lieutenant, toi? Ah non, t'es sergent aussi. Ouais, je suis sergent aussi. On va être beaux, tous les deux. Ouais, ouais. On est que tous les deux? C'est là. C'est là. Qui m'appelle? Oui, Erin. T'es où? Je suis dans la cuisine. Ok, j'arrive. Mais je cherchais... c'est bon, je suis tombé sur Danny, je cherchais le vestiaire. Putain, il m'a montré la cachette, c'est trop bien. Ah, d'accord. Mais c'est bon. Ok. Désolé, merci. Pas de soucis, bisous. Bisous. C'est ici le coffre. C'est pour se changer ici? Ouais. Ah putain. Ah oui, d'accord. Bonsoir à tous, Danny Radio. Nickel, je vais rester comme ça pour la réunion. Ok. Mais tu te rappelles qu'il y a les coffres ici? Oui, mais je me rappelais plus comment on venait. Voilà. Bah, dis-toi que... Pour nous, on a accès qu'à celui-là, on n'aura pas accès à l'autre. Si, nous deux, je pense qu'on aura accès à celui d'après. Ah, je crois que c'est que les lieutenants. Ouais, mais... du fait qu'on fasse la drogue et la... Tu fais quoi, toi? Bah moi je vais m'occuper du blanchiment, mais vu qu'il y a personne pour les armes, je pense que je vais m'occuper aussi des armes. Ok. Parce que généralement ils font les commandes armes et blanchiment si quasiment en même temps. Ouais, ok, ok. On verra. Et de toute façon c'est Kel qui va donner les ordres là, tout à l'heure, ouais. Par rapport à tout ça là. Ouais, ouais, on va voir ça. Donc autant on sera beaucoup de sergents, mais il y aura que un ou trois sergents qui auront accès au coffre des hauts gradés. Ok. Que s'il n'y a pas de haut gradé et qui enfin s'il n'y a pas de lieutenant et qu'on doit faire des opérations, il faut bien que les sergents puissent sortir les armes. Vas-y, on va en salle de réunion, comme ça on serait un peu en avance. Ouais. Et moi j'y vais. Ouais, j'allais faire pareil. J'avais pas vu la porte derrière le frigo. Hein. Trop et classe. Oui. Vas-y, vas-y. Et qui dehors là? J'ai croisé Donovan. Ouais. Et il y a quelqu'un qui a dit bonjour, mais je sais pas qui c'était. J'ai cru entendre Erin sur la radio, non? Ouais, il y a Erin. Bord de pédale quand même un peu, non? Ah ouais, voilà. Et voilà, il y a Donovan, ouais, et Erin. Et salut. Et c'est qui là-bas? Salut les deux drogués. Salut. Mais ça suffit, hein? Ouais, c'est Tommy. J'ai pas encore pris mon petit déj. T'as pas pris tes tartines de sucre? Hop, allez, un petit peu pancake là, vite fait. Salut Tommy. Salut Tommy. D'accord, il boude. Et c'est qui la blonde derrière? C'est ma sœur. D'accord, enchanté ta sœur. Salut ta sœur. Elle doit être en train de faire un truc.
Ouais, je vois. Mais du coup, j'ai fait ma tenue de sergent. Bravo. A priori, les vendeuses, elles ont bien rerangé les rayons et elles font des petits sacs. T'as cherché un masque ? J'ai pas encore cherché le masque, non, parce que j'avais pas le temps. J'irai tout à l'heure. Ça risque d'être compliqué ce soir, je le sens. Mais je voulais me faire une jolie petite tenue pour ce soir, mais pas eu le temps. Compliqué. Ah, mais on range encore, ça bouge encore la réunion, c'est à 22h, mais je vais aller chercher mon masque du coup. Ah. Ça va, je pense que c'est... Oui, c'est à 22h, mais je pense que les gens, il faut qu'ils achètent, tu sais, ils changent leurs lunettes et tout, c'est chiant. Ouais, il y a beaucoup de monde là chez les esthéticiens. Ouais, moi il faudrait que j'aille voir justement si c'est bon. Si c'est bon quoi ? Moi c'est la radio. Ouais, c'est bon, t'as reçu, ouais. Ouais, elle est nickel, parfait. Ouais. Par contre, je vais peut-être pas y aller comme ça, du coup je vais aller me changer. Ouais, c'est... Du coup, la dame des magasins nous envoie les tenues à la maison directement aussi ? Oui, tout à fait, elle y était là dans le, dans le vestiaire. Bon, moi je vais aller au magasin de fringues, qui veut venir ? Ouais, moi aussi je vais venir avec toi. Eh bien, allez-y, moi je vais aller m'acheter mon masque. Je vais aller faire la tenue comme ça. Hey, c'est parti. Ah, quoi que, t'as une 4 places ? Parce que vous avez vos masques, vous ou pas ? Moi j'en ai un. Ouais, mais Erin, elle en aura pas besoin. Ah. Oui, moi j'en ai pas besoin, mais je pourrais quand même l'amener. Ouais. Mais chez Mess Radio, bonsoir. Parce que du coup, j'ai plus mes bretelles. Attends, ça va faire un bordel quand on va être 30. Oh. Non, mais y en a, ils vont fermer leur gueule. Genre, les soldats, on s'en bat les couilles. Hein. Salut. Ils sont sur la terrasse de l'autre côté. À part si tu veux faire venir ta tenue. Ah, moi j'ai mis ma voiture dans le garage. Hein. Ouais, mais je te suis. Sans moi, je laisse pas ma voiture traîner comme ça, ça sert à rien. Oui, mais moi je suis sorti. Bah, moi je venais du casino, hein. Ah oui, mais écoute, ouais. Test réussi. Voilà. Je monte devant. Fais-toi plaisir. Par contre, la chemise là, ça serre la gorge. Hein. Bon, on va d'abord au magasin de masques. Non, vas-y, va au magasin de fringues. Ah, ouais, ça risque d'être long au magasin de fringues. Autant aller au magasin de masques, ça risque d'être moins long. Ok, pas de soucis. Tu me veilles. Bah, du coup, moi je peux prendre mon véhicule, non ? Comme ça, parce que moi j'ai pas les clés de la villa. Bah, ça reviendrait direct, non ? Non, c'est pas grave, vas-y. Ok, vas-y, je vous suis. De toute façon, il y a la réunion à 22h, on a... Il faut qu'on soit tous là... Minutes, donc Ouais, on a un petit peu de temps. Non, il faut qu'on... Kyle, il voulait qu'on soit là à moins de 10. Hein. Oui, mais bon, on a le temps. Oui. Bon, on a 25 minutes, quoi. Ouais, voilà. Bon, on est là. Oui. Bon, vous avez bien dormi ? Ouais, ça a été... Ça faisait plaisir de voir tout le monde hier. Ouais, sauf ceux qui étaient à la flica, là. Ouais, pour le coup, c'était pas terrible pour eux. Ouais, tu parles de moi, quoi. Oui, c'est vrai, qui était toi. Il y avait toi, Eliam, c'est vrai. Mais il pensait surtout à son frère, en fait. Oui, c'est vrai, je reconnais. En fait, c'est toi, t'es sorti tout seul, quoi. Ouais, bah, ils m'ont dit... Je suis tout le temps toute seule, hein. Ah, mais tu parles... Non, mais t'es... Non, il est sorti tout seul de la flica. Ah, oui. Oui, bah ils m'ont libéré, ils m'ont dit de courir, j'ai couru, ils m'ont pas dit où aller, du coup, j'ai couru. Du coup, t'as continué de courir ? Exactement. Il y a quelqu'un qui t'a dit stop ou tu t'es arrêté tout seul ? Non, je me suis. J'ai couru jusqu'à la place des cubes et j'ai demandé à un mec de gang de m'amener jusqu'au chantier parce que j'avais laissé ma voiture là-bas et après, il fallait que je récupère ma radio et mon téléphone dans la petite supérette. Pas loin de l'unicorne là-bas. Là. Quel bordel. Exactement.
pour ça que pendant un moment j'étais sans radio et sans téléphone parce qu'il avait tout mis dans un petit sac à l'intérieur de la supérette, donc D'accord. C'est Nora en radio. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas le véhicule, c'est quoi comme véhicule celui-là? Ça, c'est une Révolteur. Révolteur, c'est super sympa. Vraiment belle. Avec le soleil, elle fait vraiment verte, quand même. Non, je trouve pas plus que ça. Ouais, quand même. Ah, c'est des couleurs. Hein. Allez, là, c'est une place de parking. Hop. Oui. Alors, c'est masqué à l'intégrale, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une codification voilà, j'ai un masque intégral. Je vais te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Tu crois que ça va, okay. Là Ouais, toi, tu peux garder ça. Hein, t'as vu, c'est bien pour la réunion de ce soir. Oh, regardez, je suis déguisé en Arthur. Les deux cagoules, enfin les trois cagoules que t'as là, tu peux les prendre si ça te plaise. Est-ce que je peux mettre ça? Moi j'aime pas. Ouais. Non, je prends. T'aurais dû enlever ton chapeau avant. Oui. Oh là, oui, mais ça c'est embêtant. Ah. Ça aussi c'est valide. Je peux pas mettre ces cagoules. Ah, j'ai le même problème que toi. Ah, ça a l'air bon. Je vais prendre ça. C'est la nôtre hein. Non, c'est bon, je prends ça. Oh, okay. Mince, je fais tomber les panneaux. Moi, je peux être une licorne. J'avoue, ça te va trop bien. De ouf. Ah par contre la tête de squelette avec ton manteau ça allait trop bien là, le squelette rouge là, je peux... Ouais celui-là, ça fait trop stylé. T'as pris quoi du coup Alors c'est, je te montre. C'est quoi ton prénom? Nolan, Nolan ça va rentrer. Nolan ouais, mais Milo, comme il y a deux Milo, Nolan, Milo ouais. Milo. Ce sera plus simple. Non moi j'ai mis ça ouais. Ouais c'est bien comme ça. Toi t'as mis quoi? Alors, moi j'ai pris ça. Hop. Ah bah c'est la même. C'est parfait. J'enlèverai mes lunettes en même temps. Moi je m'en fous, j'en ai pas besoin, allez. Allez, c'est parti. Aïe, mais par contre, on voit rien par contre avec ça. Ah ouais, effectivement, ouais. Ça rétrécit ta visibilité. Ouais, c'est pas ouf, hein. Mis un magasin de vêtements. Merci. Edwin arrive à radio. C'est quoi son prénom? Edwin, c'est qui ça? Edwin, c'est le frère de Tommy. Merde, je me rappelle plus qu'il s'appelait comme ça. C'est le frère de Tommy qui a passé 5 ans en tôle. Ah, c'est sûrement pour ça alors que je me rappelle plus de lui. Ah ouais. C'est surtout que ce soir il va y avoir pas mal de d'arrivants là. Enfin il y en a pas mal qui a l'avion qui arrive. Putain je vais m'en sortir ce soir tu crois? J'avoue de mettre un nom sur un visage sur tout le monde là. Ouais, au début, moi il y en a certains je serais incapable de mettre un nom dessus. Moi je pense que pendant longtemps je vais appeler tout le monde cousin. Oui. Comme ça y a pas d'embrouille. Ouais, toi tu peux faire ça, moi je peux pas. Ah j'avoue. Moi non plus. Ah tu les appelles copains? Ouais, ça fait un peu. Ouais, ça, j'avoue. Ça moi, fait un peu 8ème jour, tu vois. Moi bizarrement personne me dit rien. Bonjour la famille, ça peut passer.
Sinon, il y en a, ils disent yo les bros. Mais je sais pas. J'ai une tête à dire yo les bros. Je sais pas. Ouais, ça le fait. Je crois pas, non. Je vais juste m'arrêter à la station. J'ai acheté un bidon au cas où. Est-ce que j'écrase le chien ? Non. Oh, le pauvre. Même s'il est vilain. N'écrase pas le chien. Il a issu son maître comme un petit toutou. Ah, c'est le but, oui, c'est un petit toutou. Ouais. C'est ça. Ah, il y en a qui sont un peu rebelles. Aïe, faut sortir les gens. Ah, c'est fermé. Ok, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Ah, je croyais que t'avais déjà fini. Ah non. Je sais que je rapide. Vite, mais pas surtout. Ah ouais, je veux pas savoir après moi. C'est bon. Je sais pas qui c'est qui galère, mais... Ouais. Et voilà. Bonsoir. Et bonsoir, Liam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Liam. Ah, du coup, je vous attends devant. Malone. Mais je l'ai pas entendu radio, non. Arthur, en radio, bonsoir à tous. Bonsoir, mon oncle.
Bonsoir. Bonsoir. Yo. Il y a encore plein de fringues qui marchent pas, j'ai l'impression. Je crois que c'était bien la veste que j'ai vue au final. Pas mal celle-là. 416, elle est pas mal. Moi, je vais rester sur la 4 que j'avais vue. Ah, bah c'est celle-là en fait. C'est parfait. Ouais non ça va pas en fait. T'as parlé, Irine ? Je veux savoir l'heure qu'il est. Il est 40. Et j'ai bien dit son prénom, encore une fois, comme un gros con. Bonsoir, radio. Affirmative. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes où là? On est au magasin de vêtements, on arrive. Tes vieux parents sont à la cave.
Erin est en train de dévaliser le magasin ? Non, je pense qu'elle fait des essais. On va prendre un peu. Je vais aller voir. Il va pas trop falloir tarder, ma grande. Ouais, ouais, j'ai presque fait. Ok, ok. Mais dis donc, tu te sapes ? Est-ce que je peux te voir avant que la réunion commence ? Allez, viens boire sur la terrasse, côté intérieur. Si on est en retard à côté d'une gonzesse, ça va m'énerver. Hein. Ah, c'est les filles, on connaît les femmes dans les magasins. Ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'il n'y a pas des enfants, lui. Hein. Des boulets comme ça. Ça avait l'air, ouais, d'être un gros boulet. Ouais, j'ai prévenu en radio qu'on était au magasin d'vêtements, mais j'ai dit qu'on arrivait. Ouais. Déclan, présence radio. Voilà. Allez. Pardon. Ah. Tu sais ce que c'est de jouer à ça avec moi. Eh, c'est bon. J'étais en train de me dire que je me sentais pas bien, mais en fait j'ai faim. C'est plus ce qu'il a dit, mais je vais attendre loin, comme c'est ça. C'est peut-être pas là, à peu près par là, on est bon. Ouais, mais Ouais, voilà, on a plus le temps encore. Oui, mais de toute façon, il faut que je regarde un truc là. Avec ah, vas-y, vas-y. Putain. Quand même là... ton bonnet. Oui, là, à d'accord. L'heure actuelle, on est à 1 037 000. 1 037 000. Ouais. Donc jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi, okay. J'espère au moins atteindre 2 les 2 millions easy. Hein. Ouais, ouais. Je vais mettre tout le monde sur le coup. Personne va chômer jusqu'à jeudi.
Même les fidèles, hein. Ils vont se bouger le cul. T'as le droit d'avoir jusqu'à combien d'employés? Jusqu'à 20, mais là, de toute façon, j'ai pas... Enfin, je les ai recrutés, mais de toute façon, jeudi à minuit, je les mets dehors tous. Hormis les deux que j'ai recrutés, c'est-à-dire Nolan Cahill et Will McGregor. Je risque de partir avant parce que j'ai rendez-vous demain soir avec le patron du concessionnaire moto. D'accord, oui, mais bon, si tu pars parce que tu as trouvé un autre boulot, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Toutes les personnes qui ont déjà été reçues par Tommy dans son bureau pour parler de la famille, mais qui n'ont pas les clés du manoir, je vous invite à vous rendre dans l'accueil. On se croirait dans un supermarché. Le petit Fabrice est demandé par ses parents à l'accueil. Comment tu parles de la famille, toi? Eh, calme-toi, toi. Ah ouais, pourquoi? Bon, je vais aller dans mon bureau, je vais attendre les nouveaux fidèles. Ok. Il est élégant, notre Wayne National, là. Attendez. Mais pour la soirée, je me suis avisé. Connu. Ah ouais, ouais, tu vois. Ah ouais. Et tu vois, quand tu veux, tu sais t'habiller. Bah, quand il y a occasion, on s'habille. Non mais c'est tous les jours est une occasion de embellir la journée de tes frères. D'accord. Par exemple, carrément embellir la journée de ses frères. Ouais, je vais essayer d'embellir ma journée à moi déjà et puis verra pour les frères. Hein. je vais essayer d'embellir les journées des bonnes sœurs aussi, on verra. Bah, j'espère qu'il y aura assez de monde hein, ce soir. Du coup, ça a quand même beaucoup bossé, hein. Pourquoi on a autant d'argent? Oh oui. Je suis dans mon bureau, maman. Ne reçu, je termine avec Nolan et j'arrive. Bon, du coup, je vais descendre au sous-sol. Et je vais voir un peu les tenues, là. Les tenues? Parce que tu t'as en bas là, on a une armoire. Oui, je sais. Mais ouais. T'as une armoire avec les tenues que t'as déjà faites, tu vas pas en faire d'autres. Ah bon? Si. Ah oui. Mais montre-moi. Ah bah viens, je te montre. Tu veux dire qu'on est pas obligé d'aller au magasin? Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr, j'ai un doute, on va éclaircir ça. Ça me paraît bizarre. Ça me paraissait bizarre aussi, mais bon. Et salut. Salut. J'en ai marre, je connais pas la moitié de la famille, en fait, je me rends compte. Ça viendra. Tout okay, à fait. D'accord. Ouais, plus vrai, full squattage. Bonsoir tonton, bonsoir tati. Pour le reste, mais tu verras que de l'autre côté, il y a un espace de stockage où tu pourras trouver notamment de la nourriture et à boire. D'accord. Mais tu avais déjà ta tenue, bah, parfait. Oui. C'est étonnant. Ouais. Attends, faut qu'on se mette en tenue de. En tenue de... d'officiel là. Non, pas vraiment. Ah bon. Pas forcément. Donc on peut faire nos tenues ici. Bah, c'est vachement bien. Ouais. Notre propre garde-robe. Oui, très bien, c'est vrai, tonton, c'est très bien. Au top. C'est encore mieux comme ça. Au top, vous êtes au top. Bah, on essaye. Vas-y. De toute façon, réunion, hein, boulot. Oula. Inscription. Dur, hein. Oui, c'est pour le bricolage.
Salut Kyle. Salut. On n'a pas besoin de se mettre en tenue officielle ce soir. Mettez-vous Marie. Dans une tenue présentable. Oui, non mais voilà, mais comme ça, ça va. Ça me va. C'est savoir s'il fallait se mettre comme ça, tu vois. Je penserais juste à enlever vos chapeaux une fois à la table. Oui, d'accord. Excuse-moi. Oui. Est-ce que je peux autoriser mon frère à rentrer? C'est qui? Lequel, le connard? Adrien. On est bien d'accord qu'ils ont enlevé enfin toutes les putains de photos dans la maison, non? Hey, regarde, on a le menu du Bayview Lounge. Magnifique. Donovan, tu me reçois? Oui, oui, je te reçois. Ramène-toi à mon bureau, s'il te plaît. Quand vous vous annoncez en radio, j'aimerais que vous donniez votre nom. Parce que bonsoir, ça peut vouloir dire bonsoir à la voisine, mais moi, ici, j'accueille pas la voisine. Fino Connor, désolé. J'ai pas fait exprès. Bonsoir, Molen. Bonsoir. Bonsoir. Cinéad Radio. Kyle en radio. Salut Kyle, on est dans mon bureau. Non, mais il est dans son bureau. Oui. Bonsoir. Il t'a dit qu'il t'attendait en plus. Bonsoir, c'est qui? O'Connor. Ah oui, bah on est mal barré si les mecs qui se rappellent pas de leur prénom.
Si en plus les gens nous disent pas qui ils sont, ça va être compliqué. Bonsoir. Ah, bonsoir. Comment ça va? Je savais pas que t'étais déjà arrivé. Je suis arrivé tout à l'heure, c'est Erin qui est passée me récupérer. Comment t'es, okay. Les bousseurs? Ça va, nickel. On attend tout le monde, on va pouvoir commencer la réunion. Tu gardes la porte du coup? C'est ça. Vous pouvez rentrer, ouais. Déjà. Mais je crois que l'autre portier, il a un petit problème, il sait pas faire la différence entre parler en radio. Il y a pas Tommy qui t'a appelé pour venir dans son bureau, toi? Aucune idée. Je crois, Kyle. J'étais pas sur la radio. Non, c'était Donovan. Au passage, mettez-vous en tenue. Lady voudrait voir tout le monde en tenue. En tenue quoi? D'opération. Je crois pas que tu en es, toi. Ouais. Il faut ramener tous les nouveaux qui n'ont pas encore prêté allégeance à la famille et lui ramener un parent. Très bien. Mettez-vous en tenue tous les deux, là. Tous les trois, même. Et je vais y ramener les nouveaux. Donc, on va se mettre en tenue de lieutenant, ok. Ouais. Non, de sergent pour moi, du coup. Tu vas être beau en orange. Je suis pas en orange. Non, je suis en Donovan. Pardon. Mais c'est tout. Pardon. Bah, viens par là. Ça valait le coup, j'ai demandé s'il fallait le faire, il m'a dit non, et puis en fait si. Attends, t'as pas du gris toi? Quoi? Ouais, c'est pas du gris ça. Ah mais moi j'ai mis le numéro qu'il y avait écrit sur le numéro. Attends, prends le même gris que lui et file-moi le numéro, j'ai modifié ça. Ou alors j'ai peut-être mal lu, hein, c'est pas impossible. C'est pas grave. Dis-moi. Attends, dis-moi, c'était quoi, c'était censé être quoi le numéro? C'est celui-là, c'est numéro 1. Il veut que je mette quoi, la tenue d'OP? Oui. Kyle? J'ai oublié qu'on avait dit tenue d'interne. On l'avait dit? Non, on l'avait pas dit. Ah. Il faut la tenue alors. On a réussi à être à la bourre. Ouais. Je sais pas si... ceux qui étaient au magasin de vêtements, vous êtes partis sans moi? Non, il t'a attendu. Ok, merci. Ils savent qu'ils peuvent se changer à la cave ou pas? Kyle. Non, je pense pas. Kyle. Oui. Deux petites choses. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue d'opération? Un peu trop de noir, mais ça va. Ok. Deuxième chose, Erin et Sinead, elles sont pas concernées par les tenues d'opération, on est d'accord? Au moins pour ce soir, il en faudrait une. Au moins pour ce soir, pour la photo. Au moins pour ce soir, pour la réunion. Ouais. Ok. Et perdre le blouson vert va quand même beaucoup mieux, je trouve. Ouais, le vert est pas mal sur sa tenue. Là, le manteau en noir, ça fait trop noir. Ouais. Le vert était mieux. Que vous êtes beau, là, comme ça. Ça me fait plaisir. Ça fait des belles tenues. Pour des beaux petits gaillards. Quoi la différence entre les verts et les oranges? D'ailleurs, Kyle... C'est le grade.
Dis-moi. Oui, d'accord. Normalement, c'est bon. J'ai réussi à faire par rapport aux références que tu as données et ça tombe pile poil. Parfait. Ah, ouais. Là, vous me réconfortez, vous me faites chaud au cœur. Sachez-le. Disons que la tempête a bien arrangé les choses. En espérant que ça change pas dans la semaine. Oui, dis-moi, tu me sembles perdu. C'est toi, Kyle ? Oui, c'est moi-même. J'ai prêté allégeance. Du coup, est-ce que je dois aller chercher la tenue d'opération ? Oui. Emmène un de vous, les gars. Vas-y, j'y vais, viens. Viens avec moi. Très bien. Vas-y, on va se dépêcher. Hein. On se dépêche. Oh, pardon. Tiens, t'as tout ce qu'il faut ici, là. Très bien. À côté des dames. Ah, je suis désolé. Ouais, je trouve qu'il fait un peu jaune, mais après, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, cousin, on t'a rien demandé. Hein. attends, je viens de remarquer. T'es pas dans la. Attends. Non, t'as bien remarqué. C'est vrai que vous êtes flashy pas dans... quand même. T'as bien remarqué, je te rassure. Tu fais pas partie de l'Ogradé. Ouais, je te rassure. Tommy au courant, j'ai envoyé tout à l'heure. Ouais, qu'il modifie ça rapidement quand même. T'es un peu laissé sur le côté, quoi. C'est pour ça que j'ai demandé si je devenais soldat ou c'est le problème. Bien évidemment que j'ai demandé, tu te doutes bien. Ah bah oui. Bon, du coup, c'est comment je repasse soldat, hein? Ah, c'est ça. Tu vois, il mériterait que je vienne la vie autrement. On peut faire un tour là. Un tour, deux. Que tout le monde dise son nom là, s'il vous plaît. Est-ce que je reconnais pas? Non, là c'est bon. On peut commencer par moi si vous voulez. Allez-y. Alors, Nolan Cahill, ouais. Alias Milo, du coup, parce qu'il y a deux Nolan, je pense que ce sera plus simple avec Milo. Et moi c'est Wayne, je suis ton frère. Ah mais toi je t'avais reconnu. Danny alias Cash. Kyle. Seamus. Edwin. Declan. Finn. Donovan. Ah mais voilà, ok. Je pense qu'on va faire un tour de table complet tout à l'heure aussi, hein, parce que là. tranquille. Ça va bien se passer. Et moi c'est Liam. Il y a beaucoup de gens que j'ai pas revus depuis un certain temps. Toi au moins 5 ans quoi. Bah au moins ouais. Minimum. C'est ce qu'ils ont dit au barreau. Bah ouais. D'accord. C'est ce que j'ai pris au barreau. Bonsoir. Bonsoir. Va t'habiller rapidement. D'accord. En bas. Il n'a pas entendu. En bas. C'est... Comment ? En bas, à la cave. Excuse-moi, j'ai dormi. Se fait livrer les vêtements par Amazon. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il a accès parce qu'il a dit qu'il venait d'arriver ? Ah, ça, c'est pas sûr. Amazon. Allô. Chimon. Ça va? Bientôt. Ça frérot. Ça va. C'est toi qui gère ton Red Blood juste à droite à la porte. C'est fait, c'est réglé. Ok. T'inquiète. J'ai déplacé légèrement le véhicule aussi. Et sinon, pour les autres véhicules, on a un emplacement dédié ou pas? Le garage. Il y a un emplacement interdit. Ok, donc on les garde là devant. Pour tous là, on vous le dira tout à l'heure, mais là devant. En gros, sous la fenêtre de la. Toute la place là, elle est réservée, il n'y a pas de véhicule.
Il y a juste le véhicule à Tommy, madame et monsieur. Les deux conseillers et les trois lieutenants qui peuvent se garer là. D'accord. Et pour les autres, on les garde au garage. Véhicules dans le garage ou ailleurs. Je comprends. Dans la cour du garage, mais faites gaffe à pas bloquer la sortie et l'entrée. Ouais, ouais, y a un garage, c'est pour rentrer dedans, de toute façon. Et il n'y a pas d'intérêt à fermer les véhicules à clé quand ils sont à l'intérieur. Ouais, ok. On sait jamais si un véhicule vient à gêner, ça peut être bien qu'on puisse le dégager rapidement. Ah, bien pris. Ça pourrait être embêtant de devoir forcer le véhicule. T'en bouges pas. Tu t'es trompé au niveau du... Attends, que je dise pas ce que j'en arrive, tu t'es trompé. Au niveau de quoi? Des chargeurs. Ah. J'ai pas tort, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Moi je les vois pareil. Tu les vois pareil? Viens avec moi, non. Viens avec moi, de toute façon je dois descendre. Ah oui, non, ils sont plus larges les tiens. Ils sont trop sombres. C'est un peu mieux ces tableaux quand même. Ah ouais, ils sont pas mal les tableaux. Et t'as un chat dans la gorge ou j'hallucine là? Violent, j'en ai le menu, quoi. Un chat dans la gorge? Ouais, un petit chat dans la gorge. Ouais, c'est peut-être mes oreilles qui... Mais... Ouais, t'as plutôt un chat dans les oreilles, toi. Non, je confirme. Je confirme. Ah, voilà, merci. T'as un chat qui ronronne fort dans ta gorge, on va dire. On va voir ça. Ça crépite, ça fait des Rice Krispies. Ah, c'était très clair. J'ai compris. Si on a faim, on a de quoi choisir apparemment. Ouais. Il y a un petit peu à manger. Ouais, j'ai toujours une chatte dans la gorge là. Non, ça va mieux. Non, ça va, tu l'as bien avalé. Mais par contre, le peintre, il y a certains tableaux. Voilà quoi. Ah, c'est toujours mieux que des grognasses des bas quartiers où j'en sais rien. Oui, il y en a encore qui traînent. Bah, il y en a encore qui traînent justement, c'est pour ça que je le dis. Ouais, oui, mais violet, ça va être remis doucement, mais sûrement. C'est quoi qui traîne, les tableaux ou les grognasses? Les deux. Les grognasses sur les tableaux. Ah. L'un les tableaux et les grognasses, voilà. Non, mais c'est pour savoir si elles sont quand même sur les tableaux ou pas. Si elles sont pas sur les tableaux, ça peut être... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Ici Adrien O'Connor, est-ce qu'on me reçoit? Bonsoir à tous. Bonsoir. Regarde un peu les coupes de cheveux de tout le monde là. Inspection. Quoi, tu veux une photo? Ok, tout le monde, vous m'entendez tous? Ouais. Vous avez tous un téléphone avec une carte SIM qui fonctionne et une radio sur vous? Oui, vous avez tous la fréquence? Oui. Ok, du coup on va rentrer à l'intérieur de la salle de conférence et on va s'installer par grade. Donc ça marche, Tommy tout au bout du bureau, les deux conseillers de chaque côté, ça suivra par les trois lieutenants, ainsi ensuite les gendarmes. Les gendarmes. Gendarmes, c'est quoi ça des gendarmes? C'est la coupe qu'on était à Les sergents et ensuite tous les soldats et fidèles, vous irez en face du bureau. Ça marche? Ok. Allez, go. Debout, là.
je vais repasser d'abord les gravés. Ouais, descendre. Ouais, attends, descendre à cran. Voilà. Un peu plus loin que ça. Je suis en face de toi, peut-être, Erin. Comme tu veux. Ouais, tu peux aller de l'autre côté. Laisse ton béret, toi. Oh. Moi, je vais à côté d'Erin, du coup. Nickel. Tu as prévenu ton père. On l'attend. Tiens, avance-toi, là, prends la place au milieu. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, père. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On essaye de parler tous suffisamment fort pour s'entendre, ok? Ok. Ok. Oui. Vous m'entendez au bout de la table? Ouais. Très bien. Ouais. Ouais. Parfait. Bon. Petite réunion de famille ce soir pour discuter de divers sujets et des choses à venir pour les jours qui vont suivre. Dans un premier temps, déjà, je tiens à féliciter tous ceux qui ont travaillé pour le casino depuis notre arrivée. Erin, si tu peux annoncer les chiffres, le chiffre d'affaires actuel du casino pour féliciter tout le monde. Alors, le chiffre actuel du casino est de 1 037 344 $. Combien ? 1 037 344. C'est énorme, sachant que nous ne sommes pas taxés. Sachant que nous ne sommes pas taxés jusqu'à jeudi minuit, si je ne me trompe pas, Erin. C'est tout à fait ça. Très bien. Donc, comme vous le savez, jusqu'à ce délai de jeudi minuit, nous avons tous décidé de travailler pour le casino afin de mettre les finances de la famille dans le vert dès le début. À partir de cette date-là, tous ceux qui ne souhaitent pas faire carrière dans la fabrication de jetons devront quitter l'établissement pour le laisser à Erin et lui permettre de faire un recrutement digne de ce nom. Donc moi, l'objectif que j'attends de votre part, c'est que tout le monde se mette la main à la poche, se serre les coudes, tous les dictons que vous pouvez utiliser. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on ait à minima 2 millions jeudi à minuit. Ça sera fait. Parfait. À savoir que cette somme d'argent-là peut, pour certains, vous dégoûter un peu de travailler dans le vide, mais cette somme d'argent-là va servir à financer l'entièreté des véhicules de la famille et ce qui va avec. Donc, qu'on soit bien clair, l'achat de vos véhicules personnels, c'est pas à vos frais. C'est aux frais de la famille. Et c'est Kyle qui va s'occuper de financer ses véhicules. Il va choisir qui aura quel type de véhicule, mais à terme, tout le monde aura des véhicules, que ce soit pour les opérations de production, que ce soit pour les opérations de rendez-vous, ce qui va avec, ou une voiture pour vous balader de manière civile. Donc à terme, tout le monde aura au moins 3 véhicules. Dans un premier temps, on va essayer d'en acheter un pour tout le monde. Mais au vu du budget qu'on a pu déjà réunir, on va déjà pouvoir investir correctement. Donc Kyle a la liste de véhicules sur laquelle on a réfléchi. On a encore 2-3 petites choses à peaufiner dessus, notamment un modèle qui chagrine certains d'entre nous. Et on est là pour en discuter. Donc Kyle, si tu peux nous expliquer un peu le... Il est pas là, Kyle. Il s'occupe... Ouais. Putain, j'ai pris Liam pour Kyle, moi. Vous avez vraiment la même tronche. Non, quand même, je suis beaucoup plus beau que lui. Je dirai rien. Merci. Ok. Donc, déjà, qui autour de cette table n'a encore jamais travaillé au casino? Moi. Levez les mains. Moi. Ok. Donc pour ceux qui n'ont jamais travaillé au casino et qui souhaitent mettre la main à la pâte dès ce soir ou dès demain,
je vous laisserai vous rapprocher d'Erin. Ok. Ok, donc je vais juste reprendre ce que je disais juste avant par rapport à Kyle. Donc Kyle, j'expliquais qu'avec l'argent qu'on réunira jusqu'à jeudi minuit, cet argent-là, on s'en servira pour financer l'entièreté des véhicules des membres de la famille. Que personne n'ait à payer des véhicules de sa poche. Et qu'à terme, tout le monde aurait trois véhicules. Un véhicule pour les opérations de rendez-vous, un pour les opérations de production et un pour la vie civile. Compris. Donc Kyle, je voulais qu'on discute de cette fameuse liste des véhicules sur laquelle on a pu travailler tous les deux. Parce que je sais qu'il y a un modèle qui fait débat. Donc si tu peux nous expliquer quel véhicule servira à quoi et qu'on puisse en débattre. Très bien. Donc pour commencer, je vais vous donner la liste de chacun des véhicules qui nous servira d'opération. Et ensuite, je vous détaillerai pourquoi et dans quel cas nous les utiliserons. Pour commencer, on utilisera des Caracara et Camacho, suivis des Speedo, d'Oracle Nouvelle Génération, d'un Depsta Nouvelle Génération aussi, ainsi qu'une Jugular. Pour les Camacho Caracara, ce sera pour les allers-retours entre les labos, simplement, quand ces derniers seront dans le nord. Concernant les Speedo, ce sera pour le sud, Speedo ou Yuga. Ce sera pour le sud, justement les transferts aussi de marchandises. L'oracle pour accompagner les convois du sud, pour tout ce qui est mission de surveillance ou autre. Les Depsta d'eux-mêmes. Et la jugular, c'est si jamais on a besoin d'intervenir rapidement et efficacement sur un lieu, on la sortira, et pas dans un autre cas. Ok. Bon, je sais qu'il y a un modèle dans cette liste-là qui fait débat, c'est la jugular. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur quel type de véhicule on utilise, si on garde la jugular ou si on part sur un modèle similaire qui est en accord avec la plupart d'entre nous. Donc, s'il y en a qui ont déjà des petites idées. Et si ceux qui n'étaient pas en accord avec la jugular peuvent expliquer pourquoi, c'est le moment. Tout le monde était d'accord pour la jugular ou quoi ? Perso, je sais même pas à quoi ça ressemble, donc je peux pas dire si j'étais contre ou pour. C'est une berline 4 places, enfin, moi je trouve que c'est une bonne voiture. Après... À savoir que les modèles d'origine ont des ailerons. Je sais pas si certains ont quelques connaissances, mais est-ce que c'est possible de retirer cet aileron ? Négatif. Non, mais on peut en mettre des plus petits. Des plus petits. Ouais, sûrement les réduire. Des trucs à ras le coffre, quoi. Oui, ouais. Des trucs pas, enfin, plus discrets, largement plus discrets. Ok. Et si on prend pas jugular, c'est donc ça, ce véhicule-là, il sert pour les interventions rapides, c'est ça, si je comprends bien ? C'est bien ouais. Ça. Ok, et si c'est pas jugular, ce serait quoi ? C'est bien la question que je me pose. Alors, pour ma part... Commodin. Non, pour ma part... Révolteur, sinon. J'avais pensé à la Shafter, moi. Au cas où la jugular ne ferait pas... Shafter V12 ou Révolteur, c'est de très très bons véhicules, qui sont très maniables, qui ont une bonne tenue de route. De toute façon, la décision finale, elle revient à Kyle. Donc là, on lui émet tout ce qu'on sait sur le type de véhicule, et c'est lui qui choisira en finalité. Il est sur un équivalent au niveau des performances. Pour ma part, connaissant les véhicules, la révolteur est très longue, de bonne performance, mais vraiment longue, donc compliquée à manier. La jugular, elle est rapide, assez fine et petite. Et la shafter prend son temps avant de démarrer. Elle patine énormément, même si elle peut atteindre de grandes vitesses. D'où le fait que j'ai choisi la jugular. Bon, jugular, honnêtement, j'y vois pas d'objection. Parce qu'il y en a qui voient des objections à la jugular. Vous avez le droit de vous exprimer. Ouais. Au début, j'étais contre la jugular, mais au vu des arguments, je trouve que c'est quand même pas mal. Ma seule inquiétude, c'est que c'est vraiment pas un véhicule discret du tout, hein, la jugular. Non, après, de toute façon, mon avis, si on la sort, de voiture, c'est pour ne pas être discret, justement. C'est pour être rapide, pas pour être... Oui, enfin, si on peut être rapide et discret, c'est encore mieux.
Après, si vous voulez être rapide et en plus de ça discret, il y a la néon hein, qui est en 4 places. Je ne conduirai jamais de véhicule électrique. Eh ben, la néon est un très bon véhicule plus électrique. Je sais que c'est... Je sais que c'est le fait que ce soit une électrique et non une thermique, c'est très controversé. Ah ouais, moi je mais c'est un véhicule qui est très efficace. Je t'ai vu conduire une électrique. Ta gueule. Ah, tout doucement, Liam. Hein ? Oui, Liam, si tu peux parler un peu plus fort. C'était pour dire une connerie, c'était pas la peine de parler fort, je vous rassure. Non, clairement, il pouvait garder ça pour lui. Ok, très bien. Bon, plaisanterie à part. Kyle, on part sur la jugulaire du coup. Il a dit qu'il avait si quelqu'un n'a pas d'autres arguments à me proposer, pour ma part, ce sera une jugular. Une électrique. Très bien. Donc, les jugulars, faut savoir que ce ne sera pas les berlines qu'on achètera dans un premier temps. Non, c'est pour ça que Kyle a parlé de l'Oracle nouvelle génération. Elle servira d'intermédiaire, cet Oracle. Mais à terme, on aura des jugulars. Donc là, très clairement... Au vu du chiffre d'affaires qu'on a déjà fait, je pense que Kyle, on va t'attribuer au moins 600 000 dollars aujourd'hui pour déjà commencer à équiper ceux qui n'ont pas du tout de véhicule, principalement avec des oracles dans un premier temps, et quelques véhicules pour la fabrication. Moi, je te laisse gérer de toute façon, Kyle. Aucun problème. Ouais, Liam. Juste, tu pourras ajouter à ton panel de véhicules, Macomoda servira que pour ça. Oui, après, c'est ceux qui ont des véhicules achetés personnellement de leur côté, Kyle les prendra en compte. Dans cette liste-là, c'est uniquement la liste des achats futurs. Ouais. Les Commodas sont assez rares sur cette île. Il y en a quelques-unes qui arrivent d'occasion, mais on peut difficilement en faire venir en grande quantité des modèles d'origine. Donc, excusez-moi, j'ai eu un problème de tête. Vous avez dit du coup les Commodas c'était autorisé du coup? Ouais, les Commodas sont autorisés. Hein. Ceux qui ont les possibilités de faire venir des Commodas dans vos contacts, faites-le. Ok, très bien. Maintenant, j'aurais grave envie de pisser. Ouais, si tu... Concernant les Commodas, on peut les utiliser le temps qu'on achète les jugulars. Une fois qu'on a nos jugulars, je pense que les Commodas resteront de côté. Néanmoins, si vous voulez vraiment qu'elle serve durant les opérations, vous avez simplement à leur mettre la couleur définie, et si on en a besoin, on les utilisera. Ok. Après, une fois que tout le monde aura son véhicule, hein, ceux qui avaient des Commodas peuvent transformer votre Commoda en véhicule personnel pour le quotidien. Hein. Oui, Sinéad. Est-ce que Erin et moi, on est inclus dans ce concept-là pour les voitures où on a nos voitures perso? Alors, pour les véhicules d'opération, à terme, vous en aurez un. Parce qu'on sait jamais. Salut, AK. Mais, il ne va rien se passer, on est en réunion de projet, donc on en a pour. On a la liberté de faire. Comme on a vu, on en a pour 2 heures d'accord. De réunion. Très bien. N'allez juste pas acheter des. Ah bah, si super! Ok, et dans un premier temps, du coup, pour les véhicules comme les Commodas, la couleur définie, ça a déjà été validé ou... ça sera défini par Kyle et il vous expliquera en temps venu ce qu'il exige exactement sur les véhicules. Ok. Full fun, ouais, comme tu dis. Mais en vrai, okay. Moi, ça me dérange pas, c'est des moments du coup, que j'aime bien. Par rapport à notre budget actuel d'un ouais. Million de dollars, bah, là, surtout, donc, ouais. C'est 600 000 dollars, on va les fournir à Kyle dès ce soir. Pour ce qui est des 400 000, je voudrais qu'on se garde sous la main au moins cette enveloppe, tant qu'on n'a pas fait l'acquisition du bar qu'on a repéré dans le nord. Là. Je veux vraiment qu'on l'achète, donc si jamais un jour vous entendez parler de revente, de vente aux enchères ou quoi que ce soit, je veux qu'on l'ait, peu importe le prix. Oui, Erin. Cet après-midi, il y a eu une vente aux enchères d'un bar qui s'appelle le Morito, mm-hmm. Qui se situe à 200 mètres du bar que tu avais visé. Et il s'est vendu combien ce bar-là? Les enchères se finissent le 5. On en est à 130 000 déjà.
Ils sont à 130 000 déjà et ils se situent vraiment à 200 mètres hein, du bar que tu vises. Ok. Ok, ok. C'est juste pour te prévenir que, voilà, niveau concurrence, il y aura un truc à 200 mètres. Mais je fais confiance à Sinid pour écraser la concurrence. D'après les infos du gouvernement qu'on a vu avec, avec Erin, il n'est pas tout de suite en vente. Elle est bizarre leur histoire avec ce restaurant-là. Oui, elle est très bizarre, mais j'arrive pas à voir le fin mot et ça me titille. De toute façon, je dois les revoir dans la semaine là, donc je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'informations concernant ce bar. Je vais pas trop appuyer dessus parce que sinon après ils vont se poser des questions, mais. Simos, j'ai une petite information en discutant avec des passants. La patronne de ce bar apparemment serait de retour demain. Elle avait pris quelques congés. La patronne de où? Du bar, le N-House. Il n'y a pas de patron. J'ai la confirmation du gouvernement là-dessus. Ah bah, il y a deux sons de cloche différents alors. Ouais. Très bizarre. Très bizarre parce que le gouvernement et donc le fisc qu'on a rencontré nous confirme comme quoi il n'y a pas de patron dans cet établissement et il est fermé pour le moment, mais pas en vente. Ok. Ok, très bien. Bon, pour ce qui est du budget et des investissements futurs, le sujet est clos. Maintenant, on va parler du sujet moi, qui m'intéresse le plus dans les jours qui vont suivre. Le produit sur lequel nous allons nous rencarder. Très clairement, on a réfléchi à s'implanter que sur un seul des deux produits sur lesquels on était en Irlande, c'est-à-dire l'opium et la cocaïne. Moi, je veux qu'on développe un seul de ces produits ici et qu'on le développe correctement. Donc ce soir, il faut qu'on prenne la décision d'implanter des labos d'opium ou de cocaïne. On va faire un petit tour de table et chacun va dire ce qu'il en pense. On va commencer par les conseillers, les lieutenants, après les sergents. Erin, Sinead, vous pouvez également donner votre avis là-dessus, même si vous ne serez jamais amené à travailler sur ce business. Et après, les soldats et les fidèles, je serais curieux aussi d'avoir votre avis. Je vous écoute. Tu veux commencer, Arthur ? Non, pas particulièrement. Bon, de mon point de vue, c'est deux marchés sur lesquels on peut légitimement se positionner sans aucun souci de par notre expérience. Cependant, puisqu'il faut choisir, pour moi, le marché de la cocaïne est une valeur sûre, un marché qui restera et perdurera avec le temps. Des clients qui sont facilement trouvables, d'autant plus avec les quartiers assez... Les quartiers riches qu'on peut retrouver à Los Santos, je suis pour la sécurité. Ok. Bah, mon avis à moi. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours eu tendance à préférer à bosser sur l'opium. Donc, clairement, parce que je trouve que là, à l'inverse, c'est une niche de spécialistes avec une drogue qui ne court pas les rues et où il y a peu de concurrence finalement. J'aurais toujours été plus partant pour bosser sur l'opium. Ceci dit, s'il fallait partir sur la cocaïne, je suivrai le mouvement sans problème. Ok. Bon, là, Donovan, Liam, Kyle, qui prend la parole en premier. Bah, je vais prendre l'initiative. Tu peux parler un peu plus fort, Donovan? Au début, j'étais pour bosser sur l'opium, mais au vu de certains points, au vu du peu de clientèle qu'on peut avoir sur l'opium, je pense qu'il serait plus judicieux de se positionner sur la cocaïne, sur un
sur un terrain qu'on connaît. Certes, on connaît aussi l'opium, mais il sera plus facile d'écouler la cocaïne que l'opium. Ensuite, rien ne nous empêche d'installer d'autres laboratoires et de se positionner sur l'opium une fois qu'on en trouve des clients ou quoi que ce soit. Alors très clairement, c'est pas le but. Si on choisit une drogue ce soir, on s'y tiendra. Qu'importe ce que le futur nous réserve. Ah, dans ce cas-là, cocaïne. Ok. Liam. Moi, je te dirais, j'ai très envie de suivre mes deux collègues en face qui seront beaucoup plus calés là-dedans et dont ce sera leur responsabilité. Un ou l'autre, je suis fermé à aucun des deux. Je suis assez d'accord sur le fait que bosser sur la cocaïne ouvre un plus grand panel de clients. Mais travailler sur l'opium nous ferait travailler avec des clients beaucoup plus triés sur le volet. Donc assez partagé entre les deux. Ok. Kyle. Comme l'a dit Donovan, hein, je pense que si on prend la cocaïne, on touchera énormément de monde. Et si on touche énormément de monde, on peut se faire un pactole assez rapidement. Ce qui concerne de l'opium, je rejoins Liam. C'est une drogue assez privée, on peut dire ça comme ça. Ça touchera pas tout le monde, prendra du temps avant de trouver des clients et on prendra du temps avant d'écouler nos stocks. Donc je suis partant pour la cocaïne. Ok. Qui prend la parole maintenant chez les sergents? Allez, honneur aux dames. Moi, personnellement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. De toute façon, ça sera pas notre spécialité avec Erin non plus. Mais je suis plutôt d'accord avec le concept de la cocaïne. Plus de consommateurs, plus de clients rapides directement et faciles à trouver. Donc, plus de quantités facilement écoulables. Après, l'opium reste un marché de niche, donc ça peut être aussi intéressant, mais peut-être qu'on prendra plus de temps à trouver des clients et en effet, plus de temps du coup à écouler la marchandise. Donc, je t'aurais plus pour la cocaïne de mon côté. Ok. Pour ce qui est de ma part, je partirai aussi plus sur la cocaïne, car comme tu l'as dit à plusieurs reprises, vu que c'est une drogue qui est très demandée, si on met la main dessus et qu'on fait les choses bien, on pourra créer une situation de manque et du coup, on pourra trouver des groupes très investis qui voudront travailler qu'avec nous, pour le coup. Et après, ça se fera du coup tout seul. Ok, très bien. Wayne, Danny, Malone. Moi, je vais prendre du coup la parole, mais moi j'ai toujours dit, la cocaïne c'est un marché qui vivra toujours, et on peut se faire gros dessus, c'est une valeur sûre, et je pense qu'on devrait partir sur la cocaïne. Wayne. Ouais, mais moi, si j'écoutais mon cœur, je serais parti sur l'opium, clairement. Une drogue de connaisseur et quelque chose de qualité. La cocaïne, c'est vraiment une drogue de branleur, mais des branleurs, il y en a plein la ville, donc à mon avis, on pourra en refourguer en grosse quantité. Donc, si c'est pour du business, la cocaïne me semble meilleur choix. Ah, du coup, pour moi, ben, clairement, salut, tant que l'argent rentre, moi, ça me va, que ce soit de la coke ou de l'opium. Moi, qu'importe, mais après, si par exemple, on a l'un des deux et que l'autre n'est pas conquis par un autre groupe, on va dire, pourquoi pas empêcher les petits clandestins à s'y introduire et puis voilà quoi. Mais clairement,
Moi, peu importe, l'un ou l'autre. Après, je pense que je vais suivre tout le monde sur un petit peu sur la coque. Ça a l'air d'être pas mal parce que on pourra toujours en vendre du sud au nord. Donc, comment tu vas, Koda? C'est une drogue, on va dire, commune maintenant. Donc, va pour la drogue. Ouais, quoi. Ça commence à être un peu fat, quoi. Cela dit, les Lost, on était. Enfin, là, la table est plus grande. Tu viens de dire va pour la drogue. Ouais, ouais, donc va pour la coque. Ok, on est d'accord. Ah! Je compatis. Très bien. Le fond de la table, les soldats. J'allais dire, au vu de l'île, de la région, des îles aux alentours, je pense que la plante de coca est déjà plus facile à trouver que du pavot. Et que, du coup, la cocaïne est une drogue. J'ai jamais fait le test, mais j'ai passé 5 semaines en PLS. Ouais. Ah, et puis au vu de la clientèle, plus facile à vendre aussi. Et que je pense que c'est un business. On a tous été malades à la maison pendant plusieurs semaines à faire des. Alors moi, je partage l'avis de la majorité. Ouais, et après, on fait partie des. Pas des cas extrêmes. Étant donné mais, la région, on se trouve. Comment dire? Comme l'a dit mon collègue à gauche. Vraiment malade pendant quelques jours, mais. Pour moi, grosso modo, simple. Je suis pas encore convaincu d'avoir récupéré mes capacités respiratoires depuis ça, mais j'ai un gros côté hypochondriaque aussi, donc je sais pas à quoi en penser. La coke, je pense vu que j'aurai jamais de test. Au vu de personnes qui sont présentes sur l'île et qu'on a déjà pu croiser, je pense qu'ils seraient plus intéressés par de la cocaïne que par de l'opium. Donc, va pour la cocaïne pour ma part. Je pense que tout a été dit. Hein. Je pense qu'on toucherait un plus grand nombre de clients avec la. Ouais, la cocaïne, ouais. Hein. Mais je en fait, je suis encore plus facilement essoufflé qu'avant, j'ai l'impression. Sachant que je suis déjà pas un grand sportif. Je pense que. Excusez-moi. Je pense que la cocaïne est plus une source sûre, sachant que ça partirait plus facilement que de l'opium, je pense. Mais en vrai, que dans les boîtes de nuit, c'est plus de la cocaïne qui tourne que de l'opium. Donc je partirais plus pour la cocaïne. C'est une bonne réflexion, ça. Il a raison. Il a l'air d'avoir pas mal de boîtes de nuit dans cette ville, en plus. Et puis encore une fois, beaucoup plus facile à produire comme produit que l'opium. C'est vrai. Je veux dire la facilité, quoi. La facilité, et puis sur un point de vue business, beaucoup plus facile à faire partir. La facilité pour la rentabilité. Tonton, tu sais bien que moi, j'aurais pris de l'opium assis avec moi. Quel suce-boule, celui-là. C'est pas de la facilité, c'est du calcul de risque et bénéfice. Exactement. Business is business. Cocaïne, bon. Mon amour. Tout le monde a donné son avis, là. Il manquait moi. Alors, t'écoute. Comme tout le monde l'a dit, on a fait un peu le tour. Je pense que la cocaïne... c'est la chose à prendre comparativement à l'opium. C'est mieux de choisir l'efficacité, la rapidité, comparé à perdre du temps et écouler des stocks. Des alternatives, mais je fume beaucoup de temps, pas. Quoi. C'est tout. Ok. Bon, on va conclure AK, avec mon avis personnel. Déjà, dans un premier temps, sachez que ça tiendrait qu'à ça, moi. Ça, c'est pas pour fumer. On aurait pris les deux. Et ça, c'est pas pour fumer. Mais stratégiquement parlant... C'est du vapotage. Que de se disperser dès le début. Mais dans un second temps, moi, j'aurais choisi l'opium. Ouais, bien sûr. Parce que ça fait même pas une semaine que je suis dans cette ville et je me rends compte qu'il y a énormément de Sud-Américains. Et que les Sud-Américains ont cette réputation qu'ils ne voient quasiment que par la cocaïne. Donc, très clairement, vous êtes tous pour la cocaïne, donc on va choisir la cocaïne. Mais moi, j'aurais été pour l'opium. Maintenant, voilà. On sait ce qu'il en est. On sait ce qui nous attend. Et par contre, eux, ceux qui vont prétendre revendiquer la cocaïne dans cette ville, sur cette île, ne sont pas prêts à ce qui les attend. Donc je vais avoir besoin de vous pour un business ultra sérieux dès le début. Donc les lieutenants, les sergents, je veux que tout soit carré dès le premier jour. Que vous ayez réfléchi à comment vous y prendre dès la première minute.
Ok. Comme vous pouvez le constater, il y a encore quelques postes de sergent à prendre. Donc sachez que tout soldat de la famille peut prétendre un poste avec plus de responsabilités. Mais ça, je choisirai moi-même qui est apte à prendre plus de responsabilités dans les rangs des soldats. Pour ce qui est des fidèles, faites encore vos preuves. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à la drogue. Ouais. Celui ou celle qui s'amusera à taper dans les coffres pour se taper ses petits rails de cocaïne se verra affaire à moi, personnellement. En d'autres termes, on ne consomme pas ce qu'on produit. Ce qu'on produit, c'est uniquement pour la vente. Maintenant que vous savez ça, vous voulez peut-être faire un tour de table, certains. si c'est possible, ouais, on peut produire de l'opium. Hein. Non, justement, je préfère taper dans l'opium, perso. Ouais, incroyable. C'est vraiment la meilleure. Alors on verra pour vous acheter de l'opium. Bande de toxico. C'est pour faire des gros dodos. Bon, je pense que pour ce qui est des enfin, du business de la drogue, on est au clair sur ce qu'on va faire. Donc Donovan, Kyle, je vous laisse commencer à mettre ça en place. On va voir pour implanter un labo de production, je sais pas encore où. Mais on va essayer de trouver un endroit intéressant. Et on essaiera de diviser la production. On fera la production à un endroit et le conditionnement à un autre pour limiter les risques. On va voir ça les prochains jours ensemble. Ok. Autre sujet. Je pense que c'est plus qu'une affaire de jours, 24 ou 48 heures. Mais mes contacts en Irlande devraient mettre en place notre pipeline qui nous permettra de faire venir des armes directement en provenance d'Irlande. J'ai pu avoir une petite liste de modèles assez intéressante. Je peux vous la dicter hein, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Clairement, moi ça m'intéresse. J'ai marre d'être peu. Oui. Moi, je veux un fusil de chasse. Du coup, bon, tout ce qui est arme blanche de contrebande, en particulier du classique. Bon, tout ce qui est arme de poing, petit calibre, on va avoir du Beretta 9mm, classique. Des Colt 1911. Quelques calibres old school. Ta mère, ça. Du pistolet double action. Ça, c'est pour ce qui est la partie arme de poing. Pour ce qui est de semi-automatique, de petits volumes, j'ai pu nous avoir des scorpions et des ADP. C'est bien ça, ADP. En termes de gros calibre type pompe, je vais pouvoir nous avoir quelques canonciers, des doubles canons. Et des fusils à pompe automatique. Nice. Et la cerise sur le gâteau. On m'a promis quelques palettes. Régulièrement. De G36C. Fusil d'assaut. Oh. Je sais pas ce que c'est. Donc, on va avoir énormément de choses à proposer. Au voyou de cette île. Maintenant, une chose est claire, si on veut garder l'avantage dans les rues, il y a deux armes qu'on ne vendra jamais dans les rues. Le G36 et l'ADP. C'est un refus catégorique de vendre ça dans les rues. Si vous mettez ça dans les rues, demain, c'est la guerre. C'est Bagdad. Et on ne contrôlera plus rien. Donc si on veut contrôler notre business de cocaïne, il ne faut jamais fournir ce... Il n'y a pas une mode pour fumer la pipe de guerre à des gangsters de rue. On vient fumer la pipe. Par contre, pour le reste, c'est comme bon vous semble.
Pour ce qui est des prix, je les ai déjà fournis à Kyle. Et il sait à quoi s'en tenir. Danny aussi a commencé à faire quelques calculs. Ouais. On va clairement pas vendre à perte. À perte. Ok. Est-ce que certains ont des sujets à mettre sur la table? Arrête. On a énormément de sujets à aborder ce soir. Eh ben, allez-y, ceux qui ont des sujets à aborder, abordez-les un par un et on va en discuter. Juste un petit rappel pour... Il y en a qu'on n'entend pas, là. Moi, j'avais juste une question, parce qu'on a parlé de véhicules d'opération, véhicules, etc. J'aimerais savoir, concernant les véhicules, pour les déplacements, on va dire, normaux, quotidiens. Très bien. C'était aussi un des sujets que je comptais aborder durant la réunion. Donc, je vais répondre à ta question désormais. Attends, donne-moi des questions. Donc, tout ce qui concerne les véhicules personnels, vous achetez ce que vous voulez. Ce n'est pas mon souci. Ok. La couleur, on évite de mettre la même que les véhicules d'opération. Donc, à savoir que ce sera du gris. Je vous reconfirmerai exactement la couleur. Mais ce sera plus ou moins du gris. Donc, évitez de mettre la même couleur. Ensuite, évitez de prendre les mêmes véhicules que d'opération. Sur ce cas, je vous fais confiance. Donc, ne me décevez pas. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Ouais, tout à fait. Ouais. Après, va pas nous acheter un truc japonais super sportif avec un aileron de 4 mètres de Tokyo Drift. Ah, n'oubliez pas d'où vous venez, s'il vous plaît. Ouais, oubliez pas vos racines. C'est pas dans mes goûts, ces choses-là. Très bien, on est d'accord. Ni de la voiture de Rita, alors. Exactement. Mais non, je pensais... Fini. Non, je pensais quelque chose de typiquement de chez nous, en termes de sportive. Très bien. Donovan voulait aborder un point. On tente un point, Donovan. Avant qu'on aborde un autre point, là. Malone, est-ce que tu peux me rendre un petit service? Juste-moi. J'ai un vieil ami à moi, là, un certain Brian McLoling, qui vient d'atterrir à Los Santos. Il atterrissait pour 22h45. Et je vois sur le PC portable devant moi qu'il est 22h50. Est-ce que tu as possibilité d'aller le chercher rapidement? Ok, il est où? Il est arrivé à l'aéroport, Hall O. Ok. Emmène deux soldats avec toi. Je vais l'accompagner. Hall O. Des personnes qui viennent avec le Hall du haut, oui. Le Hall O. Ah, d'accord. Perfect. Sur le chemin. Comment ça? Non. Hall O. On t'entend de Levan, oui. Désolé. Parle simplement plus fort. Non, moi j'entends rien là. Non, j'entends rien du tout non plus. Ouais, de Levan, faut que tu parles. Ah oui, et là vous entendez. Ouais, Ah, parfait. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai juste un petit truc à dire, moi. C'est juste de rappeler à tout le monde qu'on s'adresse au conseiller avec le préfixe lady ou sœur. Donc je sais qu'il y en a apparemment certains d'entre vous qui ont du mal, mais c'est une forme de respect qu'on va avoir et qu'on va garder tout au long. C'est primordial. C'est garder cette chose et l'ancrer bien dans votre petite tête. Lady et sœur, notamment en radio ou n'importe où. Voilà, ce sera tout. Ok. Moi, je vais dire un truc qui a quand même rien à voir, mais ça concerne les jours qu'on vient de passer. Pour ceux qui ne savent pas, en fond de salle, je vais m'occuper beaucoup plus du côté légal. Donc, à l'heure actuelle, de tout ce que fait Erin au niveau du casino, il y a une demande qui a été faite et qui n'est pas négociable. Quand vous faites un run plein ou pas plein, vous envoyez automatiquement un message à Erin pour lui dire ce que vous avez fait. Le casino se gère. Le casino, il y a des impôts dessus. Elle prend son temps pour monter des dossiers.
pour s'occuper de la gestion comptable du casino. Aujourd'hui, on le dit tout tranquillement parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément l'habitude, il y en a qui oublient. Mais envoyez un message comme vous avez fait à Run. C'est une obligation. Voilà, on respecte son travail. Elle a un casino à gérer. On ne va pas juste faire un run pour remplir les coffres, ce qui est très bien, ce qu'on doit tous faire. Mais on lui envoie le message. Comme ça, elle sait qui a fait quoi. Et au moins, elle sait combien de runs ont été faits et où en est la comptabilité du casino. Ça sera pareil lorsqu'on aura un second établissement. Il y aura la même chose à faire. Quand on vous demandera, quand vous travaillez là-bas, vous faites un message à la personne qui gère l'établissement afin que celle-ci puisse tout noter. Merci. Et pour info, je suis en train de monter tous les contrats. On a commencé à regarder avec Erin, monter les contrats d'embauche. Pour ton info, Tommy, il faudra que tu fasses signer un contrat de ta main à Erin. Il faut que tu embauches Erin au casino. Et les suivants, elle pourra, elle, embaucher les gens contractuellement, mais il faudra que le premier soit... Il faudra que toi, tu embauches contractuellement, Erin. Ok. Et d'ici demain, tout sera prêt. D'autres sujets ? Eh ben, on va pouvoir continuer, alors. Il y a deux sujets qu'on devra aborder plus tard... Sir, Lady et Tommy, et les lieutenants. Concernant les tenues d'opération, c'est celles-ci que vous portez. Tant que vous êtes soldat, vous gardez le haut de chemise vert. Quand vous êtes sergent, c'est du gris. Quand vous êtes lieutenant, c'est une chemise courte, orange. Très bien. Est-ce que ça vous va tous ? Bah, ça me déplaît pas, en tout cas, vous êtes mignons, là. Très bien. Je trouve qu'il y a une certaine unité, c'est plutôt... On va se faire fournir en Kevlar incessamment sous peu. Le petit disclaimer, les Kevlar seront utilisés quand nous vous le dirons. Si on vous dit de ne pas prendre de Kevlar, vous ne prenez pas de Kevlar, aussi simple que ça. Est-ce que c'est compris de tous ? Oui, clair, c'est compris. Ouais. C'est noté. Très bien. En ce qui concerne vos tenues personnelles, c'est-à-dire votre prestance, quand vous venez au manoir, quand vous venez au casino, ou quelconque lieu où on peut se trouver, vous devez être impeccable. En dehors, je m'en fous. En opération, si vous n'avez pas votre tenue d'opération, ou vous êtes en infiltration, ou je ne sais quoi, ça ne me regarde pas. Mais par contre, quand vous vous présentez à nous, vous devez être impeccable. Est-ce que c'est compris de tous ? Ouais, j'ai une petite question concernant le casino. Pose ta question. Du coup, quand on travaille, enfin moi je sais que j'ai fait une tenue assez décontractée, voilà, jean assez décontracté, basket pour travailler. On travaille de cette manière-là. À l'heure actuelle, tu travailles comme ça. T'as une tenue propre, pas négligée. Mais pour le moment, tu peux travailler comme ça. Okay. On établira par la suite avec Erin. Si on décide de mettre les tenues en place ou pas au niveau du casino. D'accord. Ouais, parce que j'avais une question aussi, quand il y aura des événements, il y aura des tenues aussi pour vigile ou pour les services. Tu verras tout ça avec les responsables du casino. Ok, très bien. Et ce sera défini, effectivement. Je ne veux pas avoir des mecs totalement dépareillés. On est une famille qui représente quand même des valeurs assez importantes de l'Irlande. Donc, je ne veux pas des clochards dans ma famille. Oui, bien sûr, normal. Très bien. Un autre point, le manque de respect en ville. Je parle pas de vous, je parle des gens extérieurs à la famille. Si quelqu'un manque de respect à Lady et sœur, je peux comprendre que ça vous dérange, ça me dérange moi aussi. Mais il en va de notre discrétion. Si on est une dizaine, que deux personnes viennent embêter et insulter le sœur, Lady, Tommy, ou un autre lieutenant, ou n'importe qui de la famille, merci de ne pas réagir à chaud. Gardez votre sang-froid. Pas besoin de venir entourer ou je ne sais quoi réagir à chaud autour des personnes qui ont mal parlé. Réagissez normalement.
Demandez de répéter s'ils comprennent pas, ou leur enseigner la politesse. Si ça en va trop loin, là vous pouvez commencer à faire comprendre que qu'il faut pas, comment dire, faut parler poliment, sans en venir au point. Dans le cas où ça dégénère, battez-vous à la loyale. Encore une fois, la discrétion avant tout, vous n'allez pas tomber à 10 contre 2. Faites du 2 contre 2, ça suffira. Est-ce que c'est compris? Ouais, c'est compris. Très bien. Compris. Bien pris. Très bien. Point suivant. Donc, là on a parlé de la discrétion et du comportement. Je pense que vous avez compris du coup. Il y a une tenue à tenir. Il faut garder notre discrétion au maximum pour pouvoir passer incognito, faire ce qu'on a à faire de l'autre côté. Ensuite, tout le monde devra envoyer, et je dis bien tout le monde, sauf les patrons actuels, envoyer vos... Comment on peut appeler ça, Liam ? Vos besoins, vos envies à Liam, concernant vos envies de job légaux. Je l'évoque après, passe à la suite, t'inquiète. Pas de problème, mais bon, du coup, vous enverrez tout ça à Liam. Ouais. Il vous dira comment faire, vous le ferez, point barre. Par ailleurs, durant les opérations, je vais monter des escouades. Ok, je sais pas encore de combien. Et ceci pour éviter d'avoir chacun son pseudonyme. On est une trentaine. Si je dois appeler Liam par son pseudonyme, Nolan par son pseudonyme, Tommy par son pseudonyme, je vais commencer à péter ma tête. Je préfère avoir des escouades de petits nombres que avoir 30 pseudonymes à retenir. Est-ce que c'est compris? Oui. Compris. Ok. T'as déjà une idée, Kyle, des... Des escouades, ce sera peut-être en fonction des sergents. Et okay. J'y réfléchirai et je verrai. Ok. Un autre point, l'approvisionnement en eau et nourriture. J'ai cru comprendre que ça se ferait directement avec le casino ou avec la supérette, je ne sais plus exactement. Ouais, avec les deux, quoi. Très bien. Ta mission, ce sera de tenir le coffre à jour. Donc tu fais en sorte qu'il y ait assez au manoir et assez au casino. D'eau et de quoi d'autre? Et de nourriture. Ok. Mais au casino, je préfère laisser gérer Erin pour ses stocks. Très bien. Tu en discuteras avec Erin et puis... Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'à terme, le mieux, ça serait de revendre la supérette à Liam ou à Erin ou à Sinead, quoi. Aucun problème. On verra ça en temps et en heure. Ouais. Vous entendez bien tous, là? Oui. Ouais. Ok, ça marche. C'est beaucoup mieux. Concernant la planification des opérations, vous serez averti au minimum 24 heures en avance. Donc, du jour pour le lendemain. Si vous êtes disponible, vous nous le faites savoir. Si vous n'êtes pas disponible, vous notez votre absence. Et je vais vous dire ça comment. Est-ce que c'est compris pour les opérations? Ouais, très bien. Ouais, affirmatif. Très bien. Pour vos absences, tout passera, excusez-moi, par une comptabilité commune. Je vais vous envoyer ça et je veux que ce soit vraiment compris de tous. Nous sommes de retour, Tommy, avec ton ami. Ton ami italien, pardon. Non, il n'est pas italien. Bonjour messieurs, Tommy, ravi de te revoir. Hein. C'est un bon Irlandais. Très bien, installe-toi, ami. Je vous ai donc envoyé la comptabilité commune. Je vous laisse y aller, jeter un petit coup d'œil, puis je vous explique le tout.